500 km au-dessus de la surface de Delmacon. Veuillez passer en pilotage automatique. Je peux atterrir en rêve. Salut. Est-ce que c'est un monde divin ? Ce n'est pas un monde divin, mais il y a par là des créatures bizarres. Je suis Betty Bear, linguiste. Vous êtes Monsieur Tolchif ou Monsieur Morley ? Tous les autres sont déjà là. Tolchif. Je vous présente à tout le monde. Ce vieux monsieur est Bert Kossler, notre gardien. Enchanté, Mr. Kossler. Enchanté, Monsieur Tolchif. Voici Maggie Walsh, notre théologienne. Enchantée, Miss Walsh. Moi de même. Ignaz Tug, thermoplasticien. Salut. Le docteur Milton Babel, le médecin de la colonie. Ravi de vous connaître, docteur Babel. Tony Dunkelnoelt, notre photographe et expert en analyse d'échantillons. Très heureux. Ce monsieur ici est Wade Fraser, notre psychologue. Glenn Belsnor, notre électronicien et programmeur. Heureux de vous connaître. Monsieur Tolchif. Je suis Roberta Rockingham, la sociologue. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Nous nous posions des questions à votre sujet. Vous êtes la célèbre Roberta Rockingham ? Et voici notre secrétaire, Suzy Dunn. Enchantée de vous connaître, Miss... Smart. Suzanne Smart. Il trouve ça drôle de m'appeler Suzy Dunn. Vous voulez visiter les lieux ou quoi d'autre ? J'aimerais savoir à quoi sert cette colonie. On m'a pas mis au courant. Nous non plus, Monsieur Tolchif. Nous avons interrogé chacun à tour de rôle à son arrivée et personne ne le sait. Il n'y a aucun problème. Ils ont mis en orbite un satellite esclave. Il accomplit 5 révolutions par jour et on le voit passer la nuit. Après l'arrivée de la dernière personne, ce sera Morley. Nous avons l'intention de déclencher par télécommande l'audio CD à bord du satellite. Le CD nous fournira toutes nos directives en nous expliquant ce que nous faisons ici, pourquoi nous y sommes et tout le tremblement. Tout ce que nous voulons savoir, sauf comment refroidir davantage le frigo pour que la bière ne soit pas tiède. Encore, peut-être que ça aussi. Sur Betelgeuse 4, nous avions des concombres, mais on ne les faisait pas pousser au clair de lune, contrairement à ce qu'on a raconté. Il doit exister des organismes intelligents par ici, mais jusqu'à présent, nos expéditions ont été non officielles et sans caractère scientifique. Tout ça va changer. Rien ne change jamais, malgré la théorie de Spektovski sur Dieu pénétrant dans l'histoire pour remettre le temps en marche. On en reparlera, Monsieur Tolchif. Avez-vous du sang indien ? Ma foi, j'en ai un 8e. C'est la cause de mon nom qu'on me pose la question. Si vous voulez aborder ce sujet, parlez-en à Miss Walsh. Moi, les domaines théologiques ne m'intéressent pas. Ces bâtiments sont fabriqués à bas prix. Déjà, ils menacent de tomber en ruine. Impossible d'avoir de la chaleur ou de la fraîcheur à volonté. Vous voulez mon avis ? Ce n'est pas un endroit construit pour durer. La nuit, il y a des cris d'insectes. Ça vous tiendrait éveillé le premier jour. Quand je dis jour, bien sûr, j'entends la première période de 24 heures. Ne traitez pas sur cette idiote. Elle est tout sauf ça. Les belles filles aussi. Avez-vous remarqué, c'est... J'ai remarqué, mais c'était peut-être pas la peine d'en discuter. Vous avez dit que vous étiez dans quelle branche, Monsieur Tolchif ? Pardon ? Il faut que vous parliez plus fort. Elle est un peu sourde. Je disais que... Non, vous lui faites peur. Ne vous mettez pas si près d'elle. Je peux avoir une tasse de café ? Demandez à Maggie Walsh, elle va s'en occuper. Si du moins, on arrive à obtenir que cette putain de cafetière s'arrête. Sinon, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi notre cafetière automatique ne marche pas. Elle était déjà au point en 20e siècle. Rappelez-vous la théorie des couleurs selon Newton. Il y a quelque chose de bizarre chez ces gens. Quoi donc ? Ils ont l'air tellement... brillants, au point de vue intelligence.
l'impression qu'ils sont très nerveux. Ça doit être ça. Comme moi, ils ignorent la raison de leur présence. Salut. Ce qu'elle est en train d'explorer. Tout ce qu'il y avait à savoir sur la couleur, on le savait dès 1800. Et puis Land est venu avec sa théorie de la double source lumineuse et de l'intensité, et ce qui avait l'air d'un domaine épuisé s'est trouvé entièrement renouvelé. Vous voulez dire que nous ne savons peut-être pas encore tout des appareils à café autorégulateurs ? Qu'est-ce que c'est que ces coccinelles espions ? Elles étaient là à votre arrivée ? Elles ont commencé à se montrer après que les bâtiments ont été montés. Je suppose qu'elles sont inoffensives. Vous devriez les suivre pour remonter à la source et voir ce qui peut se trouver à l'origine. Nous ? Mais vous êtes aussi concerné, monsieur Tulchief. Vous en savez autant ou si peu que nous. Une fois reçues nos instructions, nous pourrons découvrir si les organisateurs de cette opération veulent ou ne veulent pas que nous examinions les formes de vie indigènes. Nous verrons. Ici depuis combien de temps ? Wade Fraser, notre psychologue, est arrivé le premier, il y a environ 2 mois. Et puis nous nous sommes tous échelonnés. Je voudrais que Morley soit vite ici. Nous mourrons d'impatience d'être renseignés. Vous êtes sûr que Wade Fraser ne sait rien ? Comment ça ? Il était le premier ici, attend tous les autres. C'est peut-être une expérience psychologique, mais Fraser est le responsable, sans que personne le sache. C'est d'autres choses que nous avons peur. Nous avons une peur globale qui est la suivante. Il n'y a pas de motif apparent à notre présence ici. Et il nous est impossible de quitter les lieux. Chacun de nous est venu à bord d'un fuseur. C'est une instruction obligatoire. Or, un fuseur peut se poser, mais non repartir. Sans aide extérieure, rien à faire pour s'en aller. C'est peut-être une prison. Nous y avons pensé. Nous avons peut-être un acte à nous reprocher, ou en tout cas, quelqu'un le pense. Vous avez un acte à vous reprocher, monsieur Tulchief ? Ma foi, vous savez ce que c'est ? Enfin, vous n'êtes pas un criminel ou je ne sais quoi. Pas que je sache. Vous avez l'air ordinaire. Merci. Je veux dire, vous n'avez pas l'air d'un criminel. Un peu de Seagram's View ? Volontiers. C'est une planète de second ordre. Vous savez, c'est un drôle de truc, nous tous ici. Hein. Merci. Moi, tenez, Tulchief, ça fait 1 mois que j'y suis et je cherche encore quelqu'un à qui parler. Vraiment parler. Personne ne s'intéresse aux autres, ils sont tous préoccupés d'eux-mêmes, un but de leur personne. Vous comme les autres, Betty Jo. Vous ne me vexez pas, c'est la vérité. Je me fiche de vous, Babel. Et des autres aussi. Nous avons de la curiosité au début, quand quelqu'un atterrit, comme envers vous tout à l'heure. Mais après, une fois que nous voyons la personne et que nous l'écoutons parler... Vous non plus, ne soyez pas vexé, monsieur Tulchief. Vous parlerez un moment avec nous et après, vous sombrerez dans... Prenez Belsnor, sa seule pensée, c'est le bloc réfrigérateur. Il a la phobie de le voir tomber en panne. Ce qui, à en juger par sa panique, entraînerait notre mort à tous. Il croit que le bloc réfrigérateur nous empêche de... d'entrer en ébullition et de nous évaporer. Mais c'est une obsession inoffensive. Oh, nous sommes tous inoffensifs. Vous savez ce que je fais, monsieur Tulchief ? Je prends des remèdes. Je vais vous montrer. Regardez. Les comprimés bleus sont de la stélazine. Que j'utilise comme anti-vomitif. Comprenez-moi, je m'en sers pour ça. Mais ce n'est pas son usage de base. La stélazine est en principe un tranquillisant, à des doses inférieures à 20 mg par jour. À des doses plus fortes, c'est un agent anti-hallucinogène. Mais je ne les prends pas pour ça non plus. Cela dit, le problème avec la stélazine est que c'est un vasodilatateur. J'ai quelquefois du mal à me tenir debout après en avoir pris. Alors elle prend aussi un vasoconstricteur. C'est une petite capsule blanche. C'est une méthamphétamine.
Et cette pilule verte est... Un jour, toutes vos pilules, vos capsules vont éclore comme des œufs couvés, et il en sortira des tas d'oiseaux bizarres. Quelle drôle de réflexion. Je veux dire que ça ressemble à des petits œufs de toutes les couleurs. Je suis d'accord, mais c'est quand même une drôle de réflexion. Cette dragée rouge, c'est du pentabarbital pour dormir. Et puis cette jaune, c'est de la norpramine, qui compense l'effet dépressif du méléril sur le système nerveux central. Quant à cette tablette carrée orange, c'est un médicament nouveau. Elle est enrobée de 5 couches superposées avec un effet retard fondé sur ce qu'on appelle le principe du chargeur à régime lent. C'est un stimulant très efficace du système nerveux central. Et puis voici... Elle prend à la fois des dépresseurs et des stimulants. Est-ce que leurs effets ne s'annulent pas réciproquement ? On pourrait dire que oui, en un certain sens. Mais ce n'est pas le cas. Je veux dire que subjectivement, je sens la différence. Je sais qu'ils m'aident. Elle sait par cœur toutes les notices qui les concernent. Elle a emporté ici un exemplaire du codex avec toute la nomenclature. Elle en sait autant sur ses remèdes que moi, en fait, autant que les fabricants. Si vous lui montrez un comprimé, n'importe lequel, elle peut vous dire ce que c'est, à quoi ça sert, dans quel cas ça... Je me rappelle un médicament qui avait pour effet secondaire, si on dépassait la dose, les convulsions, le coma et la mort. Et sur la notice, juste après la mention des convulsions, du coma et de la mort, on lisait « peut provoquer une accoutumance », ce qui m'a toujours frappé comme étant une antichute. C'est un monde étrange, très étrange. Il y a un autre fuseur qui atterrit, sur le toit de Morlaix. Il faut y aller. Nous sommes enfin au complet. Venez, Babel. Et vous aussi, monsieur Tolchif, un huitième d'Indien.